ce soir, c'est une opération à la fois com et à la fois levée de fonds. Donc la communication, bah, parce qu'on a des joueurs, on a des enfants et on a un événement grâce à EA qui est quand même bien relayé. Et le côté levée de fonds, on avait des buts qui étaient marqués aussi ce soir et qui donnaient lieu à des dons de la part de Valve Foundation. Soirée au top, super bien passé. Tournoi FIFA où j'étais en partenaire avec Jordan, c'était au top. Ça fait plaisir, d'autant plus que je gagne mes places pour le match de Nantes. Le coup d'envoi au début du match, donc je suis aux anges. Ils sont au top, franchement. Ils sont super gentils avec les enfants du centre Lombérard comme nous et vraiment abordables. Ouais, ce que je tiens à dire par rapport à ça, c'est qu'on a souvent un avis un petit peu négatif sur les jeunes footballeurs. Et là, tous les joueurs ont été très disponibles, très sympathiques avec tout le monde et c'est très appréciable. Oh, j'ai vite perdu. Mais sinon, non, ça se passe bien. L'essentiel, c'était d'être avec les jeunes et ça se passe bien. Ouais, c'est ça. Des fois, on va leur rendre visite. Aujourd'hui, ça a été fait au Parkwell pour changer un peu de cadre. Mais tant qu'ils sont heureux, c'est l'essentiel. Oui, voilà, leur apporter un petit moment de bonheur. Voilà, on leur accorde un peu de notre temps et nous, ça nous fait plaisir et aussi. Donc, tant mieux pour tout le monde. Oui, on sait que pour certains, on est leurs idoles. Donc, voilà, pouvoir les rencontrer alors que leur vie, c'est pas facile tous les jours, c'est très important, je pense. On a fait un petit tournoi, un petit match plutôt sur la Xbox avec FIFA. Et bon, ça s'est plutôt mal passé pour moi. Mais bon, on va dire qu'on a laissé les autres gagner parce qu'on était trop dessus. Donc voilà, mais c'était un bon moment de passer avec des enfants pour qu'ils soient heureux. Donc c'était un bon moment partagé avec eux. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que quand on est un peu dans notre bulle avec les matchs, les entraînements, on ne se rend pas compte. Mais je pense que de temps en temps, passer du temps avec des enfants comme ça, qui ont besoin, on va dire, de notre soutien et de voir qu'on peut être heureux, bah, ça leur fait du bien.